C'est reparti pour la suite. Pas de spam dans le chat, non, c'est déjà ça. L'année où je m'entraînais pour ma première compétition, je courais très souvent. Pas. Avec mes horaires de travail, ce n'était pas simple. Anna got burned from drinking hot chocolate. Anna s'est brûlée. Ah, en buvant. En 2000, j'ai eu 20 ans. Et cette année-là, j'ai voulu voyager dans le Donc, monde entier. déjà. Depuis 2000, j'ai déjà visité 100 pays. The Earth is round like a soccer ball. La Terre est ronde. La Terre est ronde comme un ballon de foot. La saison où je suis Où? devenu championne du monde Donc. d'escalade restera pour toujours dans ma mémoire. C'était une saison incroyable. She stepped on the children's toy. Step, c'est quoi déjà ça? Step. Ah, c'est elle a marché sur les jouets des enfants. Pas bien. Le jour où j'ai gagné cette course Que est un jour que je ne vais jamais oublier. We don't drink much, but we eat a lot. Nous ne buvons pas beaucoup, mais nous mangeons beaucoup. Regarde. Cet homme a jeté sa cigarette par terre. Ce une. genre d'attitude est vraiment insupportable. La terre n'est pas une poubelle. That morning, I met Julie on the bus. Ce matin-là, j'ai rencontré Julie dans le bus. Le moment où l'équipe de France a gagné contre l'Italie est un moment que Que je ne vais jamais oublier. As usual. As usual, Jean was late to work. Comme d'habitude, était en retard travail. Nous buvons du soda tous les jours, alors nous n'allons pas maigrir en buvant Buvant. autant de soda. As usual, we ate at the cafeteria. Comme d'habitude, nous avons mangé à la cafétéria. L'année où j'ai gagné cette course aux Jeux Olympiques est une année que je ne vais jamais oublier. Careful, you step on my foot again. Attention, tu vas encore marcher sur mon pied. That is the season when I broke my foot. La saison où cassé le pied. Next. Oh, perfect. Perfect.
Je me promenais dans le centre-ville et à ce moment-là, un homme m'a poussé puis il a couru. Après, je n'avais plus mon portefeuille. In my opinion, bees are in danger. À mon avis, les abeilles sont en danger. Les pauvres. Avant, je n'avais pas l'habitude de courir. J'ai commencé à courir une fois par semaine. Et maintenant, je suis court tous les jours. Non, c'est maintenant, je cours tous les jours. At that time, I used to run every day. À ce moment-là, je courais tous les jours. Le jour où je suis arrivé en Grèce, j'ai tout de suite nager dans la Méditerranée. L'eau y est tellement chaude et il y a plein de poissons. In my opinion, we must quickly do some things. À mon avis, nous devons faire quelque chose rapidement. À mon avis, nous devons faire quelque chose rapidement. Léa, je regardais la pluie par la fenêtre et je pensais à toi. Et mon téléphone a sonné. C'était toi au téléphone, c'est fou, non? I have to understand why they do that. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Non, pourquoi ils font ça? J'ai du mal à comprendre pourquoi ils font ça. Quand ma grand-mère était jeune, elle voulait jouer au foot. Quand? Mais à cette époque, les femmes ne pouvaient pas. C'est complètement fou, non? Frankly, I have trouble understanding the attitude. Franchement, j'ai du mal à comprendre leur attitude. Qu'est-ce que se passe encore? Le live? Ah non. Franchement, j'ai du mal à comprendre leur attitude. Chloé est la pire de son équipe de foot. Et ses amis l'aiment bien. Deux. Et elle se l'aide. Grâce à elle, ça s'améliorera sûrement. We have to fight for our forest. Nous devons nous battre pour nos forêts. Devons nous battre pour notre foule. Sophie pensait qu'elle était amoureuse de Max. Pensait. Quand elle a lu cette belle histoire d'amour, a pensé. Elle a pensé à Sam. That season was really the worst. Cette saison était vraiment la pire. At that time, he started to cry. À ce moment-là, il a commencé à crier. Oh, c'est à pleurer. Try again. Après le perfect. Try again. Je me promenais dans le centre-ville et à ce moment-là, un homme m'a poussé. Puis il a couru. Après, je n'avais plus mon portefeuille. In my opinion, bees are in danger. À mon avis, les abeilles sont en danger. Avant, je n'avais pas l'habitude de courir. J'ai commencé à courir une fois par semaine et maintenant, je cours tous les jours. I have to understand why they do that. J'ai du mal
comprendre pourquoi ils font ça. Quand j'ai vu ce bouquet, j'ai pensé à toi. Ah. Je sais que tu adores les roses. Assez. Malheureusement, je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter. Frankly, I have trouble understanding the attitude. Franchement, j'ai du mal à comprendre leur attitude. Le jour où je suis arrivé en Grèce, j'ai tout de suite nagé dans la Méditerranée. L'eau y est tellement chaude et il y a plein de poissons, j'y arrivais pas. L'eau y est tellement chaude. Oh my god. I have to fight for our forest. Nous devons nous battre pour notre forêt. Et ouais, après il n'y aura plus sinon. C'était une journée de février. Il ne faisait pas beau. Ce jour-là, je suis sorti et j'ai oublié mon parapluie. Je suis rentré tout mouillé. Formidable. The Olympic Games were born in Greece. Les Jeux Olympiques sont nés en Grèce. Quand ma grand-mère était jeune, elle voulait jouer au foot. Quand? Mais à cette époque, les femmes ne pouvaient pas. Mais c'est complètement fou. Hein? I looked out the window and I saw my cat. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon chat. Chloé est la pire de son équipe de foot, mais ses amis l'aiment bien. Et elle se l'aide. Grâce à elle, elle s'améliorera sûrement. We were not in the habit of winning. Nous n'avions pas l'habitude de. Pensez. Sophie pensait qu'elle était amoureuse de Max, mais quand elle a lu cette belle histoire d'amour, elle a pensé à Sam. In my opinion, Frederick is absolutely right. À mon avis, Eric a absolument raison. À mon avis, Eric a absolument raison. Suddenly, I felt really bad. Soudainement, je me suis senti vraiment mal. In my opinion, Frederick is absolutely right. À mon avis, Eric a absolument raison. Next. À peine. Ah, j'ai fait combien d'heures là? 1h15. Oh, ben on va dire que c'était long. Hein. Next, next, next. À mon avis, vous devriez réduire vos déchets. Sarah cannot tolerate her colleagues at all. Sarah ne supporte pas du tout ses collègues. Non, c'est pas du tout ses collègues. Antoine a la grippe, il se sent faible et ne peut pas sortir de
2. Avec. Il ne pourra pas sortir avec ses amis aujourd'hui, il est déçu. You are always so stylish. Tu es toujours. Habillé. Ah non, c'est chic. Tu es toujours tellement chic. Avec ce nouveau travail, j'ai encore plus de responsabilités. Assez. C'est vraiment intéressant, mais c'est aussi assez stressant. Mark smokes about 20 cigarettes a day. Mark fume environ 20 cigarettes par jour. Marc, tu fumes trop. Si tu continues de fumer autant, tu auras une grave maladie. Et puis, ce n'est pas un bon exemple pour ta fille. I have even more responsibilities now. J'ai même plus de responsabilités maintenant. J'ai encore plus de responsabilités maintenant. J'ai encore plus de responsabilités maintenant. Try again. Ah, j'ai même pas fait 20 points là. À mon avis, vous devriez réduire vos déchets. You are always so stylish. Tu es toujours tellement chic. Antoine a la grippe, il se sent faible et ne peut pas sortir et de son lit. Avec. Il ne pourra pas sortir avec ses amis aujourd'hui, j'ai été déçu. We must respect wild animals. Nous devons respecter les animaux sauvages. Léo s'est fait mal au pied en courant. Maintenant, il n'aime plus courir. I have even more responsibilities now. Ah, je m'en souviens plus. Donc je vais essayer ça. J'ai encore plus de responsabilité maintenant. Et c'est ça, responsabilité. Assez, assez. Avec ce nouveau travail, j'ai encore plus de responsabilité. Assez. C'est vraiment intéressant, mais c'est aussi assez stressant. Jean-Paul got burned from smoking, that's stupid. Jean-Paul s'est brûlé en fumant. C'est stupide. Mon grand-père a eu une maladie grave en fumant. Fumer. Il a dû arrêter de fumer. He hurt his back from playing soccer. Il s'est blessé au dos. En jouant au foot. Il faut faire quelque chose contre la pollution. Il faut respecter la terre. Si l'environnement va mal, ce sera terrible pour nos enfants. We always find waste on the beach. Nous trouvons toujours des déchets sur la plage. Personne ne supporte Jean dans l'entreprise. Dans. Il a trop confiance en lui. Jamais. Il n'écoute pas ses collègues et il ne dit jamais la vérité. Hugo. We must not be afraid of flies. Hugo. We must not be afraid. Nous ne devons pas avoir peur
mouches. Ah oui, c'est ça. Hugo, nous ne devons pas avoir peur des mouches. Mes amis habitent dans une ferme. Dans je déteste y aller parce qu'il y a toujours des mouches et des insectes. Moi, je préfère la vie en ville. Caroline cut her leg from shaving. Caroline s'est laissée... Non, c'est coupé. Ah, la jambe en se rasant. Caroline s'est coupée à la jambe en se rasant. Je ne suis pas allée au travail parce que je me sentais mal. Quand j'ai reçu ton bouquet de fleurs, je me suis senti tout de suite mieux. Caroline cut her leg from shaving. Caroline s'est coupée en se rasant. Ah, c'est en se rasant la jambe. Non, c'est Caroline coupée à la jambe en se rasant. Allez, next. Docteur, nous avons besoin de vous. C'est une urgence. Cet enfant est allergique aux œufs, mais il a mangé de la nourriture. I think Thomas is allergic to eggs. Je crois que Thomas est allergique aux œufs. Max m'a appelé et il a annulé la fête chez lui. Là. Alors, il annule la fête chez lui parce qu'il est malade. C'est dommage, il organise toujours des fêtes géniales. Did you notice I tried my whole fuss? As-tu remarqué? Ah, c'est pas tried, c'est tried. As-tu remarqué que j'ai rangé mon bureau? Dans la jungle indienne, il y a des tigres, mais pas... Deux girafes, elles suivent en Afrique. Les éléphants, eux, vivent en Asie et Afrique. Je crois que c'est ça, j'ai pas vu. When he has a cold, he goes to the doctor's office. Quand il a un rhume, il va chez le médecin. Quand il a un rhume, c'était ça en plus, c'est juste que j'ai mal écrit. Il va chez... Ah, c'est ce docteur. Quand j'ai vu ces photos, je me suis souvenu de mon chien, Sam. Il l'aimait beaucoup quand j'étais... Non, c'était je l'aimais beaucoup quand j'étais petit. Il est mort quand j'étais au lycée. I cancelled our date because of work. J'ai annulé notre... Rendez-vous à cause du travail. Personne ne supporte Jean dans l'entreprise. Il a trop confiance. Jamais. Et il n'écoute pas ses collègues et il ne dit jamais la vérité. In winter, children often have colds. En hiver, les enfants ont souvent. Sophie a trouvé un nouvel emploi à Bordeaux, alors elle va déménager. Ça ne la gêne pas du tout parce que c'est une ville qu'elle aime bien. I'm gaining weight from being on this diet, that thing. C'est je grossis en faisant ce régime. Aujourd'hui, nous allons présenter notre nouveau produit aux clients. Alors, nous sommes tous très chics. C'est une réunion importante. You will
continue to take all these pills. Tu continueras à prendre toutes. Continuera à prendre tous ces cachets. Ah, c'est vous continuer de prendre tous ces cachets. Non, c'est tu continueras de prendre. We are all residents of the earth. Nous sommes tous résidents de la terre. Nous sommes tous les habitants de la terre. Try again. Allez. Marie, je remarque que vous êtes très fatigué et stressé actuellement. Très. Je pense que vous devriez prendre quelques jours de vacances. I will continue to exercise every day. Je continue. À m'entraîner tous les jours. Eh bien, c'était pas ça. Docteur, nous avons besoin de vous. De c'est une urgence. Cet enfant est allergique aux œufs, mais il a mangé de l'omelette. We need to know the truth now. We need. Nous avons besoin de connaître. La vérité. Maintenant. Léa a mal à la gorge depuis une semaine. D. Elle a un mauvais rhume, mais elle ne veut pas voir le médecin. Elle a peur des docteurs. Elle a bien raison. Tigers live in Asia, in the jungle. Les tigres vivent en Asie, dans la jungle. Max m'a appelé, il a annulé la fête chez lui parce qu'il est malade. C'est dommage, il organise toujours des fêtes géniales. He is waiting for the delivery of a new product. Il attend la livraison d'un nouveau produit. Tout à coup, t'es souvenu de ton accident. Et souvenais. Avant, tu te souvenais seulement de ta vie d'avant. In winter, children often have colds. En hiver, les enfants ont souvent. Les enfants ont souvent des. Jamais. Personne ne supporte Jean jamais dans l'entreprise. Non. Il a trop confiance jamais en lui et il trop confiance en lui. Il n'écoute pas ses collègues et il ne dit jamais la vérité. Does it bother you if I walk without shoes? Ça te dérange si je travaille sans chaussures? Ah, oh, je sais pas, il y a sa chaussure. Sophie a trouvé un nouvel emploi à Bordeaux, alors elle va déménager. Ça ne la gêne pas du tout, parce que c'est une ville qu'elle aime bien. I remember everything you've been saying, the photos. Je me suis souvenu de tout en voyant les photos.
Allez, try again. Docteur, nous avons besoin de vous. C'est une urgence. Cet enfant est allergique aux œufs, mais il a mangé de l'omelette. Did you notice I tied it my whole face? As-tu remarqué que j'ai rangé mon bureau? Il ne faut pas être inquiète. Votre bébé va bien, madame. Votre. Il grandit et grossit bien. Il a eu la grippe, mais maintenant tout va bien. I will continue to exercise every day. Je continuerai. Oh, m'entraîner tous les jours. C'est pas ça. To exercise. Dans la jungle indienne, il y a des tigres, mais pas de girafes. Je suis en Afrique. Les éléphants vivent en Asie, en Afrique. Paul, will you continue to swim every morning? Paul continuera. Paul, tu continueras à nager tous les matins. Paul continuera tu à nager tous les matins. Personne ne supporte Jean dans l'entreprise. Dans. Il a trop confiance. Jamais. Il n'écoute pas ses collègues et il ne dit jamais la vérité. J'ai dit un mot de trop. Paul takes care of product delivery. Paul fait attention. À la livraison des produits. Voilà. Paul s'occupe de la livraison des produits. Sophie a trouvé un nouvel emploi à Bordeaux. Alors elle va déménager. Ça ne la gêne pas du tout parce que c'est une ville qu'elle aime bien. In winter, children often have colds. En hiver, les enfants ont souvent des rhumes. Les animaux sont les habitants de la forêt. Quand il se... Et ils n'ont pas l'habitude de recevoir de la visite. Alors ils se cachent quand nous arrivons. I remembered you right away. Je me suis souvenu de toi tout de suite. I cancelled our date because of work. J'ai annulé votre rendez-vous à cause. We are all residents of the herd. Nous sommes tous résidents de la terre. Ses habitants. Try again. Docteur, nous avons besoin de vous. Deux. C'est une urgence. Cet enfant est allergique aux œufs, mais il a mangé de l'omelette. As-tu remarqué que
vais y arriver, j'espère. Que j'ai rangé mon bureau. Max m'a appelé, il a annulé la fête chez lui. Parce qu'il est malade. C'est dommage, il organise toujours des fêtes géniales. Thomas needs to find a new job. Thomas a besoin de trouver un nouveau travail. La réussite de ses collègues le gêne beaucoup. Le Albert n'est pas content quand les autres ont plus de succès que lui. C'est vraiment nul. We will continue to hit vegetables every day. Nous continuerons. À manger des légumes. Tous les jours. Personne ne supporte Jean dans l'entreprise. Il a trop confiance. Jamais. À ses collègues et il ne dit jamais la vérité. Paul takes care of product delivery. Paul s'occupe de la livraison des produits. Paul s'occupe de la livraison. Ah, j'ai mis un centre. Sophie a trouvé un nouvel emploi à Bordeaux. Alors elle va déménager. Ça ne la gêne pas du tout, parce que c'est une ville qu'elle aime bien. There is a tiger that is smelling at me. Il y a un tigre qui me sourit. Les animaux sont les habitants de la forêt. Et ils n'ont pas l'habitude de recevoir de la visite. Alors ils se cachent quand nous arrivons. In winter, children often have colds. En hiver, les enfants ont souvent des rhumes. Oh non. Hey, thank you for the follow. Aujourd'hui, nous allons présenter notre nouveau produit aux clients. Alors, nous sommes très chic, c'est une réunion importante. I cancelled our date because of work. J'ai annulé notre rendez-vous à cause du travail. I remembered you right away. Je me suis souvenu de toi. Qu'est-ce que c'est ça? He was not hitting anything and yet he was gaining weight. Il ne mangeait rien du tout, pourtant il grossissait. Il ne mangeait rien, et pourtant il grossissait. You will gain weight if you continue to drink soda. Tu grossiras si tu continues de boire du soda. Paul takes care of product delivery. Paul s'occupe de
de la livraison des produits. He was not hitting anything and yet he was gaining weight. Il ne mangeait rien et pourtant il grossissait. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne mangeait rien. Ah, oh, j'ai écrit rien. Et pourtant il grossissait. Try again. Oh, c'est pas cool. Faute de frappe, pas cool du tout. Marie, je remarque que vous êtes très fatiguée, stressée actuellement. Très. Je pense que vous devriez prendre quelques jours de vacances. I think Thomas is allergic to eggs. Je crois que Thomas est allergique aux œufs. Léa a mal à la gorge depuis une semaine. Depuis. Elle a un mauvais rhume, mais elle ne veut pas voir le médecin. Elle a peur des docteurs. I will continue to exercise every day. Je continuerai à faire du sport tous les jours. Il ne faut pas être inquiet. Votre bébé va bien, madame. Votre. Il grandit, il grossit bien. Il a eu la grippe, mais maintenant tout va bien. He will continue to eat an apple a day. Il continuera à manger une pomme par jour. Personne ne supporte Jean dans l'entreprise. Il a trop jamais confiance en lui et ah c'est pareil, il n'écoute pas ses collègues et il ne dit jamais la vérité. He's a tiger that is smelling at me. Il y a un tigre qui me suit. Sophie a trouvé un nouvel emploi à Bordeaux, hein? Alors elle va déménager. Ça ne la gêne pas du tout parce que c'est une ville qu'elle aime bien. I canceled our day because of work. J'ai annulé notre rendez-vous à cause du travail. Les animaux sont les habitants de la forêt. Et ils n'ont pas l'habitude de recevoir de la visite. Alors quand ils se cachent quand nous arrivons. I'm gaining weight from being on this diet. That's things. Faisant ce by getting away from me, c'est ça, je grossis en faisant ce régime. Aujourd'hui nous allons présenter notre nouveau produit aux clients et nous sommes tous très chics. C'est une réunion importante. In winter children often have colds. Un hiver les enfants ont souvent des rhumes. We are all residents of the earth. Nous sommes tous les habitants de la terre. Ah oui, c'est ça. She remember him when she saw him. Elle sait venu de lui quand elle l'a vu. Elle s'est souvenue de lui quand elle l'a vu. Call her. I'm sure that
won't bother you, bother her. Appelle-la, je suis sûr que ça ne la dérangera pas. She remember him when she saw him. Elle s'est souvenue de lui quand elle l'a vu. Next. Mon ancien chef était désagréable, mais maintenant j'en ai un encore pire. Mais il ne fait rien et il est méchant avec tous les employés. Pauline is a former colleague of Julius. Pauline est une ancienne. Je pense que ça va pas être ça. Collègue. Ah si, c'est ça. La réussite de ses collègues le gêne beaucoup. Albert n'est pas content quand les autres ont plus de succès que lui. C'est vraiment nul. Refuse to work in the park every day. Marche dans le parc tous les jours. Ma fille a le front très chaud, je pense qu'elle a de la fièvre. Je vais lui donner un contre cachet. La fièvre et aller avoir le tour. She became blind because of a disease. Elle est devenue sourde à cause d'une maladie. Aveugle. Je ne me souviens plus aveugle souvent. Dans la jungle indienne, il y a des tigres, mais pas de girafes. Elles vivent en Afrique. Les éléphants, eux, vivent en Asie et en Afrique. I saw Anna again yesterday and we had a coffee. J'ai encore vu Anna hier. Nous avons pris un café. Toutes tes plantes meurent. J'espère que les miennes ne vont pas mourir. She was walking when she met Leo. Elle marchait quand elle a rencontré. Si nous ne nous occupons pas des abeilles, elles vont mourir. Meurs. Si elles meurent, ce sera mauvais pour nous et pour la terre. Alice, I think your phone has just rung. Alice, je crois que ton téléphone vient de sonner. Alice parlera au directeur et on espère que chacun aura son propre bureau. Pour un bureau pour 30 employés, ce n'est vraiment pas pratique. This doctor has to take care of emergencies. Le jeune docteur doit s'occuper des urgences. Et ma tante, il fallait conduire doucement à cause des animaux sur la route. A fallu. Un jour, j'ai eu un accident et il a fallu aller à l'hôpital. Emile broke both feet from falling. Emile s'est cassé les deux pieds en tombant. C'est pas de chance.
Léa s'est fait mal au pied en tombant. Oh. Un arbre hier, elle voulait attraper des pommes. Maintenant, elle mange des pommes à l'hôpital. She became faint because of a disease. Elle est devenue aveugle à cause d'une maladie. She became blind. Allez, next. Il ne maigrira pas en buvant 6 litres de soda et en mangeant 10 paquets de biscuits au chocolat par jour. Il doit changer ses habitudes. We like to eat and we hate diets. Nous aimons manger et détestons. Léa a mal à la gorge depuis une semaine. Depuis. Elle a un mauvais rhume, mais elle ne veut pas voir le médecin. D. Elle a peur des docteurs. That day, we had to walk in the rain. Ce jour-là, nous avons dû marcher sous la pluie. C'est génial, ça fait des souvenirs. Ce jour-là, il a fallu marcher. Sous la pluie. Ça aurait marché certainement. C'est moi qui m'a écrit. Il neigeait beaucoup ce matin-là. Alors je conduisais très doucement. Tout à coup, un chien a traversé la rue et nous avons eu un accident. You will talk about your vacation after the meeting. Tu parleras de tes vacances après la réunion. Va protéger l'environnement. Les enfants protègent l'environnement mieux que nous. We wanted to dance, but we were tired. Nous voulions danser, mais nous étions fatigués. Quand j'étais petit, j'aimais les animaux, mais mes parents non. Ne voulaient pas chez nous. Nous. Dès que j'ai vécu seul, j'ai adopté un mien. Because of the pollution, you won't catch anything. À cause de la pollution, tu n'attraperas rien. Sarah maigrit parce qu'elle fait un régime. Elle mange beaucoup de fruits. Et de légumes. Heureusement, elle peut manger du chocolat noir. It's important to receive photos. Il est important de recycler les bouteilles. J'attends une livraison d'une centaine de livres. Une. Alors, le magasin. Alors c'est pour le magasin pour. Est bien rangé parce que j'ai besoin d'espace. Alors oh. Pour. Ah non, c'est alors. J'attends une livraison d'une centaine de livres. Alors le magasin est bien rangé parce que j'ai besoin d'espace pour tout organiser. You wanted to go out but you had to stay home. Tu veux sortir. Rester chez toi. She
chez ma tante. Il fallait conduire doucement à cause des animaux sur la route. A fallu. Un jour, j'ai eu un accident et il a fallu aller à l'hôpital. No, he can no longer catch a single fish here. Maintenant, il ne peut plus pêcher un seul poisson. Ici. Avant, Léo voulait devenir avocat, mais dès qu'il a commencé ses cours de droit, il a voulu être pilote pour partir le plus vite possible. That day, we had to... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, problème technique. Ah non, c'est lui. That day we had to walk in the rain. Ce jour-là, il a nous avons dû marcher sous la pluie. Voilà, ça marche. We wanted to dance, but we were tired. Nous voulions danser. Mais nous étions fatigués. Next. Il ne maigrira pas en buvant 6 litres de soda et en mangeant 10 paquets de biscuits au chocolat par jour. Il doit changer ses habitudes. A tiger is eating in my house. I'm calling the zoo. Un tigre se cache dans ma maison. J'appelle le zoo. Comment tu réduis tes déchets? Réduis. Paul réduit ses déchets. Réduis. Parce qu'il n'achète plus de bouteilles d'eau en plastique. Tigers live in Asia in the jungle. Les tigres vivent en Asie. Dans la jungle. Max et moi avons la grippe, là. Alors nous mangeons peu et nous dormons beaucoup. Bientôt. J'espère que nous allons bientôt nous sentir mieux. On Saturdays, we always used to drink coffee to kill. Ça me dit. Nous buvions toujours un café ensemble. C'est le samedi. Mon frère se bat contre la pollution. Et toi, tu te bats aussi contre la pollution. He is heading to take photos of the penguins. Il se cache pour prendre des photos. Ma fille a le front très chaud, je pense qu'elle a de la fièvre. Je vais lui donner un cachet contre la fièvre et elle ira voir le docteur. Paul takes care of product
delivery. Paul s'occupe de la livraison des produits. Bon, ça marche pas ça. Problème technique. Ah si, ça marche. Hein. Tu te bats. Pour l'environnement, moi aussi, il faut se battre tous ensemble contre la pollution. I got sick from eating meat. Je suis tombé malade en mangeant de la viande. Je me sentais bien avant de manger cette crêpe à la chantilly, mais après, je me suis senti vraiment mal. It became deaf and it no longer hurts anything. Il est devenu sourd. Et il n'entendait rien. Il est devenu sourd et il n'entend plus rien. Je ne suis pas allé au travail parce que je me sentais mal. Suis senti. Quand j'ai reçu ton bouquet de fleurs, je me suis senti tout de suite mieux. Do you know the Jungle Book song? Tu connais la chanson du livre de la jungle? I always used to drink a coffee before going to class. Je buvais toujours un café avant d'aller en cours. On Saturdays, we always used to drink a coffee together. Le samedi, nous prenions le samedi. Ah, oh, your wishes, des pâtés. Nous buvions toujours un café ensemble. Break time. Ça, c'est pas mis à jour. Allez, break time. I will come back in 5 minutes.